Bonjour, bonjour les amis, ici TRD qui vient de passer sa première nuit sur son île déserte, tel Robinson Crusoe. Bienvenue dans Stranded Deep, deuxième épisode. Donc souvenez-vous, on avait fait une fondation, on avait fait un lit et un feu de camp. On va continuer maintenant la survie, on va aller récolter encore du bois. Car il faudra beaucoup de bois. Nous sommes le matin du deuxième jour. Donc j'ai déjà survécu un jour, les amis. Voilà. Bon, bref. On continue. Allez, mes petits bâtons. Mes petits bâtons, s'il vous plaît. Puis-je avoir mes bâtons, je vous prie, monsieur le palmier. Alors, les amis, les paris sont lancés. Combien de temps vais-je survivre dans ce monde hostile, seul face à la nature? Voilà, donc je lance les paris. Et nous verrons bien. Allez, on va aller placer tout ça dans son petit atelier qu'on a réservé ici. Voilà. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste ici? C'est quoi? Des noix de coco. J'en ai encore 4. Donc, on va les placer. Oh, on va les placer près du feu de camp, tiens, après tout. Voilà. Allez, les noix de coco. Ah, je n'ai pas encore lancé de chrono encore une fois. Tant pis. Allez. Où tu vas, toi, là? Où tu vas? Viens donc ici. J'ai besoin de toi. Tu es vital à ma survie. Voilà. Elle est déjà vivable. Allez, on boit un coup. Et on mange. Voilà. Bon appétit, TRD. Merci, TRD. Je commence déjà à me parler à moi-même au bout du deuxième jour. Bon, petit crabe. Hop. Voilà. Il faudra bien sûr le faire cuire. Alors, on continue. Ah ben le crabe, je vais le mettre à ta à place avec les noix de coco dans le garde-manger. Alors, mon plan de pommes de terre. J'avais pas un plan de pommes de terre, moi. Oh, ah, voilà. Et voilà, des pommes de terre. Mec, la journée commence bien. Bon, il n'y en a que deux. C'est toujours mieux que rien. Il faudrait que je trouve d'autres noix de coco. Pour commencer, et puis il va falloir que j'explore un peu plus loin. Non, je ne l'ai pas demandé de monter. Ah, oh. Voilà que je monte déjà aux arbres, les amis, j'ai autre chose à faire. Allez, on va couper encore du bois. Il me faut du bois, il me faut des feuilles de palmier. Voilà. Ah, et bien une autre coco. Hop. Oui, évidemment, il a fallu que je le mette. Voilà, je vais mettre mon canot de sauvetage un peu plus à l'intérieur. Allez, et on est parti couper du bois.
Bon, ben voilà, cette aventure prend forme, les amis. On est qu'au deuxième épisode, évidemment. J'espère aller le plus loin possible, faire une jolie petite maison. Pour bien y vivre en attendant les secours. Voilà. Allez, on continue. Ce qui va être le plus embêtant, ce sont les pierres, les amis. Voilà. Allez, allez. Allez, allez. Bon, on va déjà aller déposer ça. Voilà. Bon. Que pouvons-nous fabriquer? Encore une fondation. Allez, eh ben voilà. Hop. Une autre fondation. On va les placer à côté de la première, évidemment. Oula, oula, oula. Oula, on se calme, on se calme. Bon, là, ce n'est pas possible. On va aller la placer ailleurs. Alors. Voilà. Ah, j'ai mon feu de camp qui commence à diminuer. Ça, c'était un peu problématique. On fait le tour pour voir si on trouve d'autres pierres. Ou quelque chose d'autre d'intéressant. Tiens, tiens, qu'avons-nous là? Non, non, ça, on a déjà vu. Là-bas, au loin, il y a une île. Bon, 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 bon. Ah, Yuka. Ouais, 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 ouais. Seulement en train de pousser, donc. Ici, même chose. Donc, ça repousse, mais... tout doucement. Bon. Il va bientôt falloir partir à l'aventure, les amis. L'exploration. Allez, on va continuer à couper son bois en attendant. Ma hache commence déjà à faiblir, comme le coup. Alors, ah voilà. Allez, on va se mettre un peu plus loin pour travailler. Ah, la vie seule, isolée, au ski, au calme. Personne pour vous embêter. Juste vous et votre folie naissante. Ah oui, quand on est dans ce genre de situation, la folie vous gagne, petit à petit. Oh, là, 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 mais je veux pas monter aux arbres, voyons. Allez, je veux aller à mon petit atelier avec sa réserve. Voilà. Voilà, bon. Ah, encore une pierre, non? Oui, voilà. Ça, c'est très bien. Je me disais bien que j'avais fait une fausse manœuvre. Bon, les pierres, 1, 2, 3. On va voir combien j'en ai des pierres.
4 seulement. Bon, on va les mettre un peu à part, les amis. On va essayer de bien organiser son atelier. Je vais prendre un stick ou deux. Pour le feu de camp. Oui, qu'est-ce que je fais comme fausse manœuvre? Ah, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, on le rallumera plus tard. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. 4 pierres. Il m'en faudrait 2 de plus, les amis. Et on va appeler ce qu'on n'a pas. Toujours faire attention aux voisins, aux crocs acérés. Oh, des sardines, mais bon. Sardines, c'est bon. Sardines à l'huile. On ne peut rien faire. Il me faut un harpon pour les pêcher. Il n'y a pas grand-chose autour pour m'aider. Hein. Ah, là, 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 là. Ça risque de se compliquer. Bon, j'avais une noix de coco. Voilà. Où est-elle maintenant? Où est-elle maintenant? Ah, voilà, elle est là. Voilà. Bon. Allez, regarde manger. Plus tard. C'est ce qu'on appelle garder une noix de coco pour la soif. Normalement, c'est une poire, les amis, l'expression. Mais bon, voilà. Allez, je vais essayer de trouver d'autres pierres. Bien qu'ici, je ne pense que je n'ai pas grand espoir d'en trouver d'autres. Ah, est-ce que le yucca a poussé? Oui! Le yucca a poussé. Donc, on peut récolter 14. Voilà. Là, il a poussé ici. Oui. Voilà. Et ici également. Voilà. Bon, allez, on va aller mettre ça. Alors ça, voilà. Les cordes. Les cordes. On va les mettre là. Voilà. Bien ranger ses affaires. Voyons voir si je peux construire quelque chose d'autre. Alors, toujours des fondations. Donc, ce qui signifie que je n'ai pas assez de feuilles de palmier. Pour faire autre chose, les amis. Mais le plus important reste les pierres. Surtout pour les outils. Bon, je vais reprendre... Je vais retailler cet arbre-là, si c'est possible. Oui. Ah, camarade sadique est là-bas. Allez, bouge pas, je vais faire tomber quelque chose sur ta tête. Allez, reste là, hein. Bouge pas surtout. Boum! Oh, même pas drôle. Bon, récupère notre coco. Mais je t'ai vu. On te voit. On ne voit que toi. Toujours faire son intéressant, hein. Allez, on va aller se mettre plus près. Dans l'atelier, avec tout ça. Voilà. Alors, l'atelier. L'atelier, c'est un grand mot, hein, les amis. Et on est reparti pour du coupage de bois. Encore et toujours. Allez, allez. Voilà.
Hop là. Alors. Allez, jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout, ma petite hache. Jusqu'au bout. Ouais, allez. Et voilà, encore du bois, toujours du bois. Je voudrais de la pierre, s'il vous plaît. Voilà, 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 voilà. Voilà. Si on tape à côté, ça ne marchera pas, les amis. Allez. Voilà. Des feuilles de palmier. Bon, allez, hop, hop, partout là, allez, Osef. Voilà, il y a quelque chose qu'on peut construire avec ça. Toujours que des fondations, bon. Ah oui, mais je me souviens, il me faut prendre un ou deux sticks. Voyons voir si avec ça, on sait pas faire quelque chose par ici. Oui. Non, il me faut autre chose pour l'améliorer. Oh, c'est pas vrai que le soleil se couche déjà. Oh là là, mais que le temps passe vite. Bon, je vais prendre encore ça. Allons voir si cela peut nous servir à quelque chose. Non, visiblement non. Ah, un support. Voilà, ça c'est bien. Alors, on va commencer par le mettre où le support. Voilà. Et ma foi. Voilà, comme ça on pourra faire un mur là. Bon, le camp, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Bon, je vais prendre encore un truc à manger. Quoique ça. Voilà. Bon, je vais dormir, les amis. On se retrouve au petit matin. Voilà, voilà, voilà. Ah, mais j'ai bien dormi, hein. Alors, je vais déjà prendre ceci pour boire un peu. Voilà. On la rejette. On prend sa hachette vraiment morte. Voilà. On mange. Bon appétit. C'est le petit déjeuner. Le petit déjeuner des champions. Oh, ça reprend encore une. Voilà. Allez. Santé. Voilà. Ça peut faire que du bien. Bon, je vais reprendre les deux bâtons là. On les jette là. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Allez, feu de camp. Ah, mais oui, évidemment.
Et si je fais ça? Voilà, on va se refaire une hache. Oui. Ah oui, d'accord. Elle est là, ma hache. Évidemment. Bon, ça me fait une pierre de moins là-dessus. Mais voyons voir si maintenant nous pouvons faire autre chose. Toujours que des fondations, décidément. Donc, ce qui veut dire encore, les amis, que il me manque toujours des feuilles de palmier. Je n'en ai pas assez. Je n'ai pas assez de pierres non plus. Alors, il va falloir aussi que j'aille à l'aventure. Même si le coin n'est pas très engageant à cause des petits voisins à aileron. Bon. Ok. Allez, c'est parti. Oui. Ah, voilà. Allez, viens avec moi. Je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Et voilà. Ouais, oui, bah écoutez, vaut bien ça. Je vais arrêter parce qu'il va pleuvoir et dans ces régions, quand il pleut, c'est pas triste. Donc, on continue toujours son stock de bois. Voilà. Hop, ça est reparti. Ah bon, donc, j'ai déjà usé une hache, les amis. En 3 jours de temps. Enfin, donc, théoriquement, j'aurais survécu déjà 2 jours. Bon, et maintenant, que des fondations, qu'est-ce qui me manque? J'essaie de construire des murs, les amis, mais il doit me manquer quelque chose. Plus beaucoup de mode coco, non plus. Bon. Voyons voir. L'île la plus proche, ce serait laquelle? Celle-là? Tiens, tiens. Oh! Un oubli de ma part, on dirait. Je suis sûr que vous avez dû le voir et dire « Mais qu'il est bête, mais qu'il est bête !» Ou aveugle. Enfin, voilà. C'est réparé. Et récolté. Bon, allez, hop, on replace tout ça. On voit si on peut enfin en faire quelque chose. Bon, toujours que des fondations. Bon, faudrait que je vérifie un peu comment cela fonctionne, les amis, pour une prochaine fois. Alors, on va aller explorer. Mais écoutez, je vais déjà faire une sauvegarde. Voilà. Game saved. Et on va partir à l'aventure. Hein. Il faudra bien. Alors, je vais laisser ici mon marteau. Le reste, bon, je peux laisser aussi le briquet. Je n'en aurai pas besoin.
Donc, voilà. C'est une chose. Oh, un instant. Viens ici, toi. Viens ici, toi. Voilà. Peut toujours être utile. Pour un prochain repas. D'ailleurs, en parlant de repas, je vais quand même reprendre avec moi... Enfin, maintenant, plutôt, une petite noix de coco. Voilà. On boit un coup. Et on mange. Régime noix de coco. Miam. Et miam miam. Bon alors, nous avons une île là-bas. Nous avons une île là-bas. Alors. Ah, il y a encore une là-bas. C'est bien beau tout ça, mais laquelle choisir? À quelle sombre la plus proche, les amis? Bon, il va falloir se décider. Ce n'est pas tout ça. Oh, le temps s'assombrit, il dirait. Non, c'est une idée? Allez! Il n'y a pas d'autre solution. On est parti. Non, ça ne me va pas. Je vous explique, les amis. N'ayant pas de boussole pour me repérer, il vaut mieux que je parte... simplement tout droit, accès direct, comme ça ben, je n'ai plus qu'à faire demi-tour et je me retrouve à la maison, voyez. Alors on va dire qu'on va partir d'ici, on s'équipe et en route. Tout droit, direction l'île voisine. Bon, les amis, je vais faire une ellipse parce que cela risque de prendre un certain temps. On va voir si on ne croise pas en plus quelques amis dentés, à dentition vorace. Donc, voilà, ellipse et je vous retrouve dès que j'arrive en direction de l'île qui apparemment n'est pas si loin que ça. Re, les amis, voilà, nous sommes arrivés sur cette île. Voilà, donc la mienne, bah, c'est celle-là, je pense. Voilà, je suis déjà perdu. Voilà, bon. Ah, bâton. Le bâton, j'ai assez. Oh, regardez-moi là, ce que nous avons trouvé. Quand je vous disais que je ne suis pas le seul à m'échouer dans la région... Est-ce que nous sommes dans le triangle des Bermudes? Mystère. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Ah, une pierre déjà. Ensuite. Oh, un coffre. Et qu'y a-t-il dans ce coffre? Torche. J'ai bien vu. Oui. Oui, ça se trouve. Bon, que soit. Nous sommes venus pour récolter des cailloux. Le plus possible. Alors, alors. Ne me dis pas qu'il y en a encore moins ici que sur l'île d'où je viens.
Alors. Des cailloux, s'il vous plaît. Oh là là, les amis, décidément, pas de chance. Ah, voilà. Un autre caillou. Ça en fait deux. Bâton, non, ça m'intéresse pas beaucoup, les bâtons. J'en ai plein à la maison. Alors, ah. Et une troisième, et... une quatrième. Voilà qui est très bien. Bon, au moins, on n'est pas venu pour rien, les amis. Oh. Vous avez vu comme moi. Pomme de terre. Voilà. Trois pommes de terre. On a déjà... quatre pierres. Y aurait-il moyen d'en avoir d'autres? Ici, il n'y a rien d'autre du coup. Non. Non. Ah. Hop. Et une de plus. Oh, hop. Encore une. Et dire que... elle était juste sous notre nez quand on est sorti du bateau. Ah là là. Pas les yeux en face des trous, le TRD, hein. Ah, hop là. Bon, allez, où j'en suis, moi. Bon, allez, je vais prendre un petit bâton. Ça peut toujours, c'est toujours ça de pris aussi. C'est ce qu'on a au moins à couper sur mon île. Qu'est-ce qu'on a? Non, c'est des rochers. Une petite étoile de mer. C'est Patrick l'étoile de mer, le copain de Bob l'éponge. Qu'est-ce que c'est débile ce dessin animé. Enfin bon, chacun ses goûts. Voilà, bon, 4 bâtons, 7 pierres. On n'aura pas fait le voyage pour rien les amis. Quelle heure est-il? 4h04, donc ça veut dire que la nuit va bientôt tomber. Qu'est-ce que je fais? Je prends du yucca avec. Mais enfin, je vais arrêter de monter sur les arbres. Bon, le principal, ce sont les pierres. Voilà, hop, on voit encore une. Voilà, ça nous en fera 8. C'est bien ça. Voilà, 8 pierres. Combien de bâtons? 4. Et 3 pommes de terre. Bon. Plus les torches qu'on a trouvées dans ce bateau. On n'a pas fait le voyage pour rien, les amis. On retourne maintenant sur notre île. Avant que la nuit ne tombe. Ou... que pêche. Où est-ce que ça en est? J'aimerais que j'ai moyen de retourner. Alors, je prends ça. Je m'en équipe. Et normalement, ce serait celle-là. Allez, c'est parti. Voyons si on ne s'est pas trompé. Tayo, Messi, Tayo. Alors. Sortez la grand voile. Faites briquer les perroquets. Et oui, voilà. 3 ou 4 jours seul sur une île déserte. Et me voir que je me prends déjà pour les pirates des Caraïbes. Captain Jack Sparrow. En tout cas, elle est assez proche. Donc, il y a une grande chance qu'il s'agisse de mon île. Je vois que les autres n'ont pas l'air d'être loin non plus. Donc, il y aurait moyen de faire d'autres expéditions, les amis. Alors, les paris sont ouverts. Me suis-je trompé ou pas? Allez, on continue. Allez, en avant. Vas-y, pagaye. Faut pagayer. Alors. Suis-je sur la bonne? Ou suis-je à côté de la plaque?
On va bien aller par là parce que... Voilà. Voilà. Alors. Alors voilà. En tout cas, des arbres coupés. Est-ce mon île ou pas? Yeah, man. Yeah, c'est bien mon île. Voilà. Enfin, une bonne chose est faite. Donc, voyons voir. Si je jette toutes les pierres à côté. Et que je prends... Ah oui, évidemment. Que je récupère mon marteau. Ça, c'est mon briquet. Je vais récupérer aussi. Mon marteau. Oui, je mets mon marteau. Voilà. Allez, si ça fonctionne, on se quittera là-dessus, les amis. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'essaye d'upgrader mon feu de camp, les amis, mais visiblement, il y a quelque chose que je ne fais pas correctement. Bon, bref, je vais aller me débarrasser. Ah oui, les trois pommes de terre. Voilà, je m'en débarrasse ici. Ensuite, voilà, il me reste... Je sais, c'est sombre, on ne voit pas grand-chose. Voilà, nous établissons là. Voilà, et je me débarrasse de mes bois ici. Sur ce, je vais dormir, les amis. Et on se dit rendez-vous au prochain numéro. Suite. Ah oui, d'abord, une petite sauvegarde. Ça fait toujours du bien. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt, les amis. Moi, je vais me coucher devant cette belle lune au bord de l'eau sur une île paradisiaque. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao, les amis.